La partie qui va être la plus marrante, c'est que je vais expliquer les règles et il faut savoir que quasiment personne ici ne connaît les règles, donc ça va être la surprise. Donc, on est dans un UHC, les règles UHC traditionnelles s'appliquent, et arrête de me donner des coups dans le cul. on est en 1.11, mais c'est le PVP 1.8. D'accord. Donc avec les vitesses, etc., ça change pas. Sauf que évidemment, il y a les boucliers que vous pouvez crafter éventuellement, c'était pour le bien du plugin. Le but, il n'y a que l'Overworld, le but c'est de trouver les Dragon Ball. Il y en a 7 en tout. Elles sont à différentes positions qu'on connaît pas, et pour pouvoir les trouver, vous allez devoir crafter un radar à Dragon Ball. Le radar, comment il se craft? Avec une boussole, et c'est là que Neutron y m'aide, il faut rajouter quoi, Neutron? Alors, une boussole, 4 redstone et 4 diamants. Voilà, comment fait qui se mettent en... Une boussole, 4 redstone, 4 diamants. C'est un fer et 4 redstone pour la... Voilà. Mais donc là, là vous prenez votre boussole et vous mettez... La redstone, c'est sur les côtés, c'est ça? C'est ça, c'est sur les 4 coins. La redstone. La boussole au centre. Et qui c'est qui tape sur son clavier là? Je vais le tuer. Hein. Heureusement que j'ai dégoûté. Et le diamant en croix. Non, attends. Et comment on fait une boussole, les mecs? Le radar un fer avec 4 redstone. Ok, merci. Donc, c'est pas l'inverse. Avec ce, c'est pas grave, vous cherchez sur le wiki, vous avez ça. Ouais. Avec cette boussole, quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir traquer certaines Dragon Ball, et soit vous traquez des Dragon Ball qui se retrouvent à l'état naturel, ça a la forme d'un coffre qui peut se retrouver dans le sous-sol, donc il faut simplement faire un clic droit sur le coffre pour la récupérer. Pour la récupérer, il vous faudra un sac à Dragon Ball, et là pareil, comment se craft-il? Comme un coffre avec du cuir. Voilà, comme un coffre avec du cuir. Donc, on va croiser des vaches. Vous, si jamais une équipe récupère une Dragon Ball, sur votre radar, ça sera indiqué. Telle Dragon Ball, c'est telle équipe qui la possède. Et à chaque fois, ça vous indique à quelle distance c'est. Pour celui qui possède une Dragon Ball, il aura un effet qui est aléatoire, ça dépend des Dragon Ball. En tout, en termes d'effet, il y a speed deux fois. Donc il y a deux Dragon Ball qui font speed. Il y a deux Dragon Ball qui font Fire Resistance, il y en a une qui fait Slowness, il y en a une qui fait Jump Boost, et il y en a une qui fait Weakness. Voilà. Sachant que si vous possédez plusieurs Dragon Ball, parce qu'on peut en posséder plusieurs, les effets se cumulent. Si vous possédez Slowness et Speedness, ça fera zéro. Si vous avez deux Resist Fire, ça vous heal. Non, pas du tout, ça vous fait juste Fire Resist. Donc ça se cumule, sachant que le but, ça va être de récolter toutes les... Dragon Ball, une personne donc au sein d'une équipe, hein. Après vous pouvez les répartir entre équipes, mais à la fin il faudra qu'une personne ait toutes les Dragon Ball et qu'elle invoque Shenron. Combien pour se faire, simplement ça se fera dans le radar, hein, c'est combien de dans le sac, Dragon Ball. Dans le sac, quand vous avez les 7 Dragon Ball, vous pouvez invoquer dans le sac Shenron. Voilà le dragon. Quand vous l'invoquez, ça va vous ouvrir un inventaire et il faudra exaucer Michel un de vœu. Et il faudra trouver où cliquer en fait. Donc ça c'est à vous de savoir où cliquer. Vous avez droit à plein d'essais, vous inquiétez pas. Sachant qu'il faut faire attention quand on invoque Shenron, puisque toutes les personnes dans un rayon de 50 blocs autour de l'invocation, l'invocation vous la verrez, mais toutes les personnes dans un rayon de 50 blocs autour entendront l'invocation et pourront eux-mêmes essayer de trouver... Enfin, d'exaucer leurs vœux, pardon. Donc, ils auront accès au même inventaire, et s'ils y arrivent avant la personne qui a invoqué Shenron, c'est eux ça qui gagneront. Ça va camper. Voilà. Dernière chose extrêmement importante, le tout possesseur de Dragon Ball se retrouve avec l'effet... Comment il s'appelle cet effet? Glowing. Stone. Glowing. Avec l'effet Glowing, ça veut dire que vous avez quelque chose autour de vous, et vous êtes vu... d'aussi loin qu'il y a la vue distance sur Minecraft, et vous êtes vu à travers tout, ça sert à rien de sneaker, tout le monde vous verra. Comme les flèches spectrales. Comme les flèches spectrales, exactement, pour ceux qui connaissent la 1.11. Voilà, quoi dire d'autre, si jamais le caméa, il est actif. Non, il n'y a pas de caméa. Oh. dernière chose, le premier but, c'est d'aller chacun d'aller chercher des Dragon Ball. À partir du moment où les 7 Dragon Ball ont été découvertes et qu'elles sont en possession de personnes, la bordure commence à se rétrécir. Est-ce que je peux me transformer en Super Saiyan? Donc faire attention, non. Parce que si jamais vous êtes pas prêt et que vous êtes les derniers, tu peux transformer en Super Dragon Ball. Le faites pas parce que la bordure va diminuer d'un coup et en 20 minutes ça sera. Ouais, je vais en Belgique la semaine prochaine. Tu peux transformer au long. Et quand vous tuez quelqu'un ou quand vous mourrez, la Dragon Ball est droppée au sol. Pareil que si vous vous déconnectez. Pareil si vous déconnectez. Paradoxal ? Ouais. Paradoxal ? À toi. Impossible. Bon voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, pour collecter la Dragon Ball, il faut faire clic droit avec le sac, c'est ça ?
Ouais. T'as des choses à faire. Et pour la repousser, clic droit c'est dans le sac. C'est dans le sac. Dans le sac, quand tu prends un clic droit sur le sac, ça t'ouvre une nouvelle interface et tu choisis. Ok. Pour le diamant, t'as dit, Pierre, c'est il y a une limite, ça. Alors, tous les gros tryharders n'ont pas le droit au diamant. Non, c'est un peu truc que j'ai inventé. Non, pas du tout. Diamant, oui, on va foutre une limite. On va foutre une limite, on va dire deux pièces. Bah, il y a déjà non mais on peut pas crafter le pantalon ni le plastron en diams. Voilà. Il y a déjà le plastron en diams. Ouais. Vous allez faire. Ah donc plastron et futal non diams en fait que du fer. Ok. Et pas de nether diams. Il y a pas de nether. Ah il y a pas de nether d'actif aussi ouais. Non mais justement. C'est mieux quand c'est mieux le diamant quand il y a enfin c'est mieux le diamant quand tu sais pas trop jouer. Attends Hypierre. Moi je vais rigoler hein. Ouais. Si t'as quelqu'un qui a une Dragon Ball dans sa poche, on le voit sur le radar ou pas? Oui, alors sur le radar, tu verras tes Dragon Ball et elles sont que dans les poches, elles sont numérotées. Ouais. Te diront, elle est possédée par telle équipe, et par telle joueur. Je sais plus. Non, juste pas par telle équipe. Tu peux savoir que si c'est dans ton équipe, parce que si c'est une autre équipe, c'est pas indiqué. Ah, c'est pas indiqué. Non. D'accord. Ils mais t'auras juste quand. Alors, t'as une technique qui est toute simple, c'est que t'actives le radar et si la distance évolue, tu te doutes que c'est quelqu'un qui la possède et pas un coffre. Alors pour les coffres, cherchez bien. Parce que c'est vraiment un coffre, ça peut être au milieu de bloc et le radar vous indiquera juste la distance en par rapport à toutes les coordonnées, par rapport à X, par rapport à Y, par rapport à Z. Non, pas Y. Pas par rapport à Y ? Non, ah non c'est X, c'est Z. Et, ça, c'est chaud. La vol, elle spawn entre la couche 5 à la couche 64. Donc elle peut être que dans ces couches-là. Voilà, entre 5 et 60, c'est pas où 64 ? Non, c'est pas où. Ok, 20 balles que ça foire. Non, fake. Mais non, ça a l'air. Et merci à Neutron, du coup, Neutron qui a codé tout ça ces dernières semaines. Tu peux faire un jeu ? Merci. Archi chaud. Ouais, ça a l'air sympa. On a bon. Allez, on va faire les câbles, par contre. Bon, moi, merci tout le monde. Juste avant de lancer, dernière chose. Gentleman Rules, pas de hache en PVP. Ok. Interdit la hache en PVP. Je vais muter Pierre, moi il m'a saoulé. Donc, on peut tuer. Pas de canne à pêche. Ok. Et pas de canne à pêche pour ton matox. Pas d'épée pour Hypierre. C'est pas cher. Y'a pas de canne à pêche. Oui, ah oui, ils s'en foutent, on est en point 11. Mais c'est pas grave, pas de canne à pêche. Je vais le ramener vers. Et dernière chose. On a le droit à faire des boucliers. On a le droit à faire des boucliers si vous voulez. Et pas de fight. Épisode 1, voilà. Il est pas là, remember. Et les boucliers marchent. Et jouez tranquillou quoi. Mais vous pouvez pas taper. Attends, les boucliers ça marche ou pas? Oui. Easy win. Yeah! Oui. Hey, il est mieux ce spawn là! Bonjour! Bonjour! On a le début parce qu'en fait, il y a des gens qui sont morts. Genre, Hypierre il est mort et quand Hypierre il meurt, et ben, on retourne le début des séries. Ça. Comment ça va, équipe? Bien, et toi? Eh ben, ça va, on est avec Épée, on est avec Lupio et on est avec Sochi. Je te connais pas, je suis désolé, on va faire comme si on se connaissait. Ça va, Sochi? Cool. Ouais, ça va. J'ai vu toutes tes villes. C'est pas une ville, Sochi? C'est... Très bien, allez, on continue. Donc, le but du jeu va être d'attraper les Dragon Ball. En vrai, genre... C'est incroyable. C'est attraper les Pokémon, enfin ouais, c'est Dragon Ball Z, quoi, c'est clairement... Ouais, non, le but du jeu, c'est pas ça, en plus. Le but du jeu, c'est d'invoquer un mec. Ah oui, final, oui, c'est vrai. Ah, parce que quand tu connais pas Dragon Ball, tu viens, tu fais « Oui, d'accord, je vais attraper vos Pokéball orange, là. » Fermez-la. Bon, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise? Ah moi je vais chercher là, la bouffe. On prend des pommes hein. Ah ouais mais la bouffe ouais. J'irai la chercher après quand on aura des trucs. Bah il faut de la bouffe et il faut du cuir pour pouvoir faire les sacoches à Dragon Ball. Ouais. Je dis pas qu'on aura une Dragon Ball à un moment, attention, je suis pas aussi optimiste hein mais. Bah si c'est bon, t'inquiète, on fait 4 diamants, 4 redstone avec un compas là, on fait le radar. On va toutes les chercher avant tout le monde et puis voilà. Écoutez, on va faire ça. Ou sinon on attend que les autres gens les aient. Et on les bute. Et on en profite. Ouais. Moi je suis plus pour la team profiteur. Bah oui et non. Je sais pas parce que s'ils les ont après ils vont pas les lâcher facilement aussi. Hein. Non mais le truc c'est que quand ils ont invoqué Chiran là, le chanteur roux, qui est un dragon rappelons-le, on aura la possibilité de leur voler l'invocation a priori. Ouais. C'est quoi les buffs qu'on a quand on a une Dragon Ball? Genre il y en a plein non? Il y a du speed boost, il y a du... Je crois qu'il y a aussi du pas speed boost, genre du ralentissement de vitesse. Ouais, c'était les deux, bah ça... Mais du coup c'est chiant en fait. Mais du coup je vais vous laisser les Dragon Ball, comme ça vous devenez des gens dangereux, enfin en danger surtout. Et moi je vais bien. Parce que fuir lâchement c'est bien, sauf que quand t'as une Dragon Ball, bah on te repère. Ouais c'est vrai, en plus t'es repéré de ouf. Donc je vous laisse la gloire. Et en point 10, tout le monde peut se débrouiller bien tu vois.
Pourquoi? Selon quel principe? Un point 11, je veux dire. Parce qu'on a des boucliers, tu vois. Contre les arcs. Wow. Ouais, ouais, ça bloque les arcs, quoi, mais ça fait pas tout. Enfin, je vais rester mauvais, tu vois. Désactiver la pluie. Ouais, grave. Quelle horreur. Alors, on va tuer des trucs. Il nous faut donc du cuir, hein, n'oubliez pas. Il nous faut 8 de cuir pour faire une pochette à Dragon Ball, là. Ah, il nous en faut. Ouais, une pochette, c'est comme une coque d'iPhone, mais qu'on met de Dragon Ball. Je... Respecte, respecte. Il y a des gens qui aiment ce manga. Respecte-la. Ok, il y a plein de moutons. Ouais, mais il n'y a pas de petite vache pour nous donner du cuir. Bon, il y a une spruce à côté. Il y a quoi? Il y a des vaches là-bas, il y en a plein. Où est-ce qu'il y a des vaches? En fait, il y en a 4. Waouh, amazing. C'est peut-être assez pour faire une sacoche à Dragon Ball. Si j'ai un peu de chance. Je suis sûr que tu vas échouer. Tu vois la tâche. Ah mince, non, j'étais en train de casser un arbre x10 quoi. Oh, de la canne à sucre, t'es... Eh, faut être en plus enchanté au fait, faut pas oublier ça. Ah ouais, ouais, c'est vrai que ça fait partie du jeu. Ouais, ouais, quand même. C'est... Non, parce que faut pas oublier qu'on joue en mode Dragon Ball, mais ça reste du Minecraft, ça reste un UHC classique. Ah oui, donc, oui. D'accord, en cas de conflit, c'est vous qui vous interposez pour me protéger. Ouais, qu'on va voir le mec à Sharpness 32 qui est arrivé sur notre tête. Il s'appelle Nems, hein, tu peux le dire. Mais je voulais pas dire le pseudo. Si, si, Nems, c'est lui qui va me tuer. Moi, je sais que Nems va me tuer. Ou peut-être que j'arriverai à m'en sortir en me prostituant comme d'habitude, mais. Mais je pense que c'est Nems qui va me mettre en conflit assez vite. Hein, parce que normalement, je suis assez lâche pour fuir tous les autres. Mais Nems, c'est chaud. Il bouge vite. Il bouge vite. Il bouge carrément vite. C'est incroyable. Oh, il va avoir c'est la incroyable, Ball de la cet homme va si vite. Dis-vous que la meilleure Dragon Ball, c'est la speed. Comme ça, on peut courir. Ah ouais, la Dragon Ball de la lâcheté. Mais ça reste une Dragon Ball, t'es quand même repéré, donc c'est chiant. Ouais, on est quand même sur une team vachement bien soudée. Hein. Non, mais on fuit ensemble, tu vois. Ah non, ah non, par contre, moi, j'espère que c'est clair entre nous. Si je dois vous sacrifier, je le ferai. Fin. Bah, tu en es capable. Non, c'est drôle de faire semblant. Quoi. Oui, mais j'ai plus d'équipe. Vous n'êtes pas une famille non plus. Hein. Genre, je peux faire sans. Donc non, je pense que si je dois en sacrifier un, je le ferai. Et si j'ai la possibilité d'en sacrifier un et que ça ne m'avantage pas, il y a des chances que je fasse aussi. T'as le droit de pêcher? Ah non, pêcher c'est mal. La religion ah tiens, j'ai de la canne. Ah ouais. De la canne à soucle. Moi je suis en train de récupérer de la moutonnerie. Ben. Moi je récupère des pommes, c'est génial. C'est bien mieux. On en est où dans le QR game? Zéro. Ouais, 3 loupio je crois, mais... Bon, 5 pommes ça le fait. Bon, non. 5 pommes c'est mieux que 2. Toujours. Mais pas mieux que 6. Oh. Ni que 34, si je dis pas d'ineptie. Ouais, bien sûr. Oula. Y'a trop de moutons. Je suis allé dans une grotte, y'avait un squelette, 2 zombies. Ah, les squelettes insane, j'ai peur. Mais non, faut pas avoir peur. Par contre, la peur est l'ennemi du bien. Vous avez tout pris. Comment ça, on est tout pris? Ah, mais il reste des boutons. Bah, de toute façon, j'ai pris pas mal de bouffe, donc je pourrais vous en donner. Si vous acceptez, évidemment, de vous sacrifier pour moi en cas de danger. Tu sais, on va signer un contrat. Ah bah, ouais, pas pour se marrer, hein. Bah, si. À quoi? Ah merde, j'avais mal suivi. Oh non, je me suis encore fait avoir. Ah, on a des poulets. Oh, un poulet. Bénèse. Ah non, mais c'est vrai qu'on n'apporte pas le drop des pommes dans ces échelles. Je suis en train de réfléchir, c'est genre en mode pourquoi il n'y a pas de pommes là qui tombent, c'est quoi ça? Ok. Alors, désolé, Hunster, j'ai pas attendu d'accepter. Ah mince! Il m'a volé ma nourriture, le salaud! Non! Non, mais tu m'en as laissé bon, de la cuite? Waouh! Waouh! L'égoïsme! Ok, toi t'es le premier que je sacrifie, bâtard!
Et moi je suis le dernier parce que je suis gentil. Voilà. Depuis quand t'es gentil? va pour ça, épée, j'aime l'idée. Mais je te vois là, rester à côté de mon four. Ah mais y'a du vol de four dans l'équipe. Ah attends, je t'ai ah, mince. Non mais le mec essaie de faire genre, il me nourrit alors qu'il me vole. C'est quoi son problème? Mais pas du tout. Non, parce que moi j'ai un bébé zombie à côté de moi là, ça me plaît pas trop. Si tu veux. Je veux pas dire mais je suis à 8 levels d'XP hein, juste en butant du mob. What? Ah oui, bah chez du mob. Ah bah y'en a un dans notre équipe qui XP pas hein, il passe son temps à aller voler ses camarades. Évidemment qu'il progresse pas. Tocard. Il est content en plus. C'est ouf. Putain, va falloir torcher les gars. Mais pourquoi tu me suis? Mais c'est insupportable. Tuez cet homme. Ok chef. Un but. En vrai, attendez, on loot une pomme en or si on tue quelqu'un ou pas? Non, parce que moi je veux bien y réfléchir. Après... Je pense pas que ce soit très rentable, je suis très très fort au PVP quand même, il faut c'est vrai le dire. Non, c'est plus du melon là, c'est une auberge de melon, c'est plein de melons mis comme ça à côté les uns des autres. Non mais très sérieusement en fait, je suis la pire des merdes au PVP, on va tous crever. Ah merde. Donc du coup la pomme en or, on y réfléchit ou pas? Ouais, on repart dessus, écoute. En fait, faut prendre une balance, tu vois. Faut mettre la pomme en or d'un côté et de l'autre côté, on met une balance. Ah, bon, on fait comment? Moi, je pense qu'on le sacrifie au cas où. Au cas où. C'est pour pas prendre de risques. Et si je te passe une pomme en or? Une pomme en or. Est-ce que y a moyen? Ouais, carrément, ouais. Ça annule tout. Ça dépend dans les fours, quoi. Bon, bah merde, y'a pas une golden head quand tu meurs. Fuck. Ouais. Ouais. Il avait quand même, t'étais chaud quand même. Une aide, c'est bien. Ça rend 4 coeurs une aide, il me semble. Ah ouais. Bon, je suis 48 torches. Hein. Tu vas être torché. Lol. Abonnez-vous à ma chaîne, je fais des vidéos de Minecraft. Je viens d'oublier. Enfin. Je vous y fais penser au cas où, mais on a un point 11, on peut mettre des items dans la main gauche. Voilà. Excellent. C'est vachement. C'est vrai que j'y ai pas pensé non plus. Ouais. Genre, bah en fait, je commence à prendre mes torches, je fais. Oh, mais attends, si je les mets là. Ah ouais. Dominer, poser des torches. C'est parti de là. C'est vrai que pour la bouffe, c'est bien aussi. Si j'étais un bouclier. Comment on fait un bouclier, les enfants? Ah bah, GG. Ah, moi, il y a quelqu'un qui est tombé sur un squelette. Ah bah, elle était mort. Ah bah, bravo. Oh bah GG. Ah bah là c'est... Oui. C'est le GG. Les squelettes, c'est ce qui va nous arriver dans pas longtemps, ça n'a pas de bouclier. Donc comment on fait un bouclier? Je sais pas. Du fer et des sticks. Non, je t'ai dit, c'est du fer au milieu là. Ah, du fer au milieu là. Et après un bouclier. Tu fais comme un entonnoir. Ouais, avec un chapeau et un fer et un tutu sur la gauche. C'est ça. Un tutu? Oh, j'ai un village. Comment on fait un tutu? Sérieux, t'as un village? Oui, un village. J'ai galéré à avoir une épée, le mec a un village. Ça, t'as un village? Oui, j'ai un village. Il a pas été exploré? Non. Oh, damn! Damn, son! What you gonna do? Oh, il y a du fer ici. Mais non, attends, cool. Regarde, je vais être gentil. Tu vois, je vais t'en rajouter. Voilà. Parle aux villageois là s'ils proposent des trucs sympathiques. Et par contre, je te pique quand même de la bouffe. Hein. Bon, bah, j'ai eu du fer. Bon, j'ai un plastron et des bottes en fer. Oh, et des pommes. T'as pas eu un de fer pour faire des boucliers pour tout le monde là? Enfin, trois de fer. J'ai 6 de fer en plus. Oh. T'es où? Moi je suis en moins 300, moins 1000. Attends, parce qu'on regarde s'il y a pas juste une pomme de plus là, j'en ai que 5. Et j'ai des bibliothèques. Oh, c'est quoi, j'ai 5 pommes, on en fera plus tard encore. Allez hop, c'est déjà assez. J'ai des bibliothèques en plus. J'arrive. Et donc t'es en combien tu m'as dit? Moins 300, moins 1000. Ok, on est. Pas du tout à côté. Oh, il me vole mon fer alors qu'il fait semblant qu'il m'en donne quoi. C'est pas vrai, je t'en ai donné 8. Ouais, bon, ok, j'en avais mis que 8, maintenant il y en a 10 dedans, c'est vrai, mais. Donne. 150. Escroc. Quoi? J'ai fait quoi? Moins 600. Je sais pas encore. Juste t'accuse, tu vois. Par principe. On fait quoi? On mine à 4 ou on se sépare en deux groupes? On a toujours pas de cuir. C'est assez inévitable. Je sais pas où vous êtes, vous deux.
Ouais, et puis on est pas si loin de l'un de l'autre, mais je pense qu'on s'est beaucoup les ennemis. Ah. Revenez le cours du... sur le cours du lac Titicaca qui était à côté du spawn. Ouais. C'est celui de droite. Ouais, c'est... Démerde-toi avec cette information. C'est insane. En même temps, on a spawn à la bordure. Ouais, on a spawn sur la bordure et la bordure va rétrécir à partir du moment où il y aura les Dragon Ball. Mais je pense que c'est l'endroit où on est le plus en sécurité pour récupérer le radar avant Attends. D'aller au Dragon Ball. Parce que Dragon Ball, elles apparaissent quand ? Exactement. Les Dragon Ball, elles apparaissent bientôt. Hein. Je crois qu'elles existent peut-être même déjà. Pourquoi la bordure, elle rétrécit pas maintenant ? Parce qu'il faut qu'elle soit trouvée par tout le monde. Ah, que toutes les Dragon Ball aient été ramassées. Et là, la bordure, quand tout le monde est okay. Donc si le mec est grave chaud avec son radar, là il est déjà avec son radar, là, et là il a déjà toutes les Dragon Ball et il nous défonce. C'est possible, ouais. c'est envisageable. Ou peut-être ouais. qu'elle spawn à 20 minutes, tu sais, moi je suis pas forcément au courant, peut-être que je bluffe. Mm-hmm. Tu fais des bluffs à ton équipe. Non, je vous ai déjà dit qu'il fallait pas s'attacher. Je pourrais vous trahir à n'importe quel moment, ne vous attachez pas vraiment. Pas d'attachement. Je dis ça pour vous, hein. Non, on se croirait dans Top Gun. Mais les taupes, c'est à 30 minutes. Ah d'accord. Mais c'est automatiquement moi, je cherche pas à comprendre. Du coup, moi, nanana... Je vais vers toi. Non, les PNJ, c'est de la merde. Ah ouais, ils sont débiles, les PNJ. Ouais. PNJ, oh coucou. Oh, un camarade. Fenêtre. T'es déjà en bas, Hunster. Ok. Bon, on est 145-800. Okay. Mais non, on est que 4. 145-800 ah. Oh, ça va, on est Cette à côté. La blague était pas très. Oh, là, attends, j'ai pas entendu de blague, moi. C'est passé inaperçu. Je vois pas de quoi vous parlez. Putain, j'ai une poussière dans la gorge, c'est chiant. Ah, et des fois, il y a des gens, ils ont des chats dans la gorge. Je trouve que ça doit pas être pratique. Si t'as un chat et un poussin, comment ça se passe? Non, je dis poussière. La poussière. Ouais, oui. Non, sinon ça a aucun sens, j'ai un poussin dans la gorge. Je sais pas, peut-être que c'est des bugs bizarres. Okay. Bon. Bah je m'enterre pas exactement à côté de toi, j'ai un peu bougé quand même. Mais... Du coup les PNJ sont... ou pas? Ouais, on est à côté. Cool. Du coup les PNJ, ils vendaient rien du tout. Parce qu'il y en a j'ai un spawner. Il y a un zombie qui a spawné avec une épée en fer. Ouais. 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 On n'est pas dans la merde, hein. Bon, bah allez, c'est l'heure de s'enterrer. Donc on est d'accord, celui qui trouve le plus de diamants sur les 4 qu'il faut, c'est le chef du radar. J'ai gagné un bouquin. Okay. Et le chef des Dragon Ball alors aussi. Alors non, les Dragon Ball, on s'arrange entre nous, parce que lâchement, moi je vais vous les coller dessus. Hein. Tu peux coller les Dragon Ball. Ceci a speed dessus. Non, même avec speed dessus, ça te glow. Ah oui, c'est les vrai. Les gens te voient après. Je crois que même avec speed, c'est pas rentable. J'ai laissé un petit mot au village. Ah merde, j'ai pas assez de bouffe en fait pour descendre. Moi, qu'est-ce que t'as mis comme connerie? Coucou, je suis passé par là. Si tu veux me suivre, viens sur Twitter. Ah. Oh, c'est lourd. J'adore. Je m'abonne. T'as mis ton Twitter? Ah bah oui, je suis pas con non plus. Que t'as donné un indice sur de la position où t'étais. S'en fout, de toute façon, on va perdre. Ah oui, pas mal. Effectivement. En fait, si tu pars dans cette optique-là, tu n'as plus rien à perdre. Donc on va gagner. Si, la partie. Tu as tout à gagner. Toi, tu vas perdre la vie bientôt. Fais gaffe. je te demande de te calmer. Bon, je lève la musique. Moi. Tu vaux quand même une pomme en or, oublie pas. Oh, j'ai des vaches. Non, je crois qu'il n'y a, ouais. Les... a pas les drops. J'en ai 6. Je sais pas, j'hésiterai pas à vérifier. Conflit entre équipiers. J'ai 4 de cuir. Arrêtez de dire qu'on est équipiers. Vous créez des liens. Conflit entre personnages de. Ah, tiens, j'ai d'autres vaches aussi. D'une équipe semblable.
Et si la Dragon Ball spawn sur nous? Non mais en vrai théoriquement on peut croiser une Dragon Ball, non? Bah ouais. C'est une 7, ouais, 7 sur une map quand même, ça fait gros, ça fait pas assez, je veux dire. Bon, et puis je t'attends là du coup, attends, je te rentre dans le chat, attends. Ouais, team. Alors j'ai beaucoup de cuir. Hein. Voilà. C'est vrai? Ouais. Cool. C'est bien ça, tu vas avoir des sacs à Dragon Ball. Ouais. On va en faire au moins un. Waouh, t'as tant de cuir que ça, dis donc. Ouais. Hein. Au moins, ouh. Ouais, c'est pas mal, hein, déjà. Hein. Et vous avez un deuxième. Mais non, il nous en faut 7. Et des bibliothèques. Oui, mais... Ok. 7 si on gagne, tu vois. Mais on va gagner. Enfin, tu comptes perdre, toi? Bah non, mais toi, oui. Toi, t'es pas trop optimiste. Moi, c'est pas que je compte perdre, c'est que je sais qu'on va perdre. Avec le voilà. Oui, mais au pire, on montera pour en chercher. Ou au pire, de toute façon, on les récupérera sur les gens qui ont des sacs avec les Pokéballs dedans. C'est pas des Pokéballs. Elles sont oranges, elles ressemblent à des Pokéballs, c'est des Dragon Balls. Calmez-vous. Ouais, non. Mince, il n'y avait plus de pioche. Ah, je la connais, celle-là. Ah non, ouais. J'ai confondu. Eh, c'est bientôt l'épisode 2 déjà, mais on n'a rien fait. Si, si, moi j'ai construit une maison. Ah, bah c'est bon, on a gagné. Clairement, là. Ah, mais c'est vrai qu'il y a une personne qui est morte déjà. Pour un archer. Ouais, qui est mort. Oui, c'est Aznet. Ouais, c'est Aznet, du coup, je dis ouais. Bah, quand il code pas le plugin, il a moins d'avantages. Hein. En 57. Time to strike. Attends. Ah. 806. Bah, je suis aux coordonnées, y a pas de trou. Ah, j'ai fait un trou par 3 par 3 et il est pas exactement aux coordonnées. Je croyais que t'allais creuser en dessous de toi en fait. Ouais, mais s'il y a un gros trou avec une source de lave en dessous, je suis comme un con. Bah, tu creuses, tu sais, genre tu creuses en 3 là, tu sais, tu 3 par 3, tu décales de 1, tu creuses 3 par 3. Ah oui, oui, ça. En mode. C'est la strat! Et tu rebouches au-dessus de toi parce qu'il y a Nems qui va nous tomber dessus. Il entend et il écoute au mur. Attends. Ah, c'est vrai qu'on est en danger et tout. Ah mais là, par contre. Souvent. Sinon du coup, criminologue, c'est quoi comme métier en fait? Bah la criminologie. Ouais non mais. Bah l'étude des crimes. Oui, non mais ok, je suis d'accord, hein. Mais en soi, c'est. Enfin, niveau boulot, il y en a que s'il y a des crimes, du coup, c'est chiant. Alors je sais pas si c'est le cas de tous, mais les criminologues doivent être des psychologues, je crois. Ouais, j'ai regardé, il y avait des psychologues comme dans la définition aussi. Donc, ouais, c'est des psychocriminologues. Voilà. Là, et maintenant on se comprend mieux. C'est des psychologues qui parlent avec des criminels. Ouais, ok. Là, c'est plus compréhensible de mon point de vue. Du coup, t'as besoin d'explications sur prof de maths ou c'est bon? Bah, je sais pas trop, je comprends pas trop. Toi qui as fait un master de maths, c'est ça, non? Non, des études sup en maths. Peux-tu m'expliquer? J'ai juste commencé ma licence de maths. Hein, alors, les gars. Et c'est la fin, au revoir, bonne journée! C'est un de notre équipe. Oh yeah, bye bye!